Sound of Freedom est une expérience cinématographique, perturbante, innovante et qui s'inscrira sans nul doute dans le mouvement mondial destiné à mettre en lumière le trafic de mineurs. Nous allons étudier ensemble ce qui a créé cette polémique pour la diffusion en France. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui au sujet de la vidéo pour laquelle je vous ai posté quelques indices sur mon compte Instagram, l'intrigante. Merci à ceux qui ont joué le jeu et bravo à ceux qui avaient trouvé le thème que nous allons étudier aujourd'hui, à savoir le crime qui a eu lieu en 1991 sur la personne de Madame Gisèle Marchal, âgée à l'époque de 65 ans. Nous savons donc dans cette affaire qu'un coupable a été arrêté et incarcéré durant 18 ans. Malgré tout, il reste des zones d'ombre, puisque nous avons appris lors de sa libération que certains enquêteurs avaient volontairement ou non dissimulé des indices et que des traces ADN, je crois à compter de 3 ou 4 à minima, étaient présentes dans les mentions « Omar m'a tué » qui étaient portées sur le mur, sur le mur de la pièce dans laquelle Ghislaine Marchal a été retrouvée. Dans ces empreintes, aucune n'appartiennent à Omar Radad. La justice a refusé de rouvrir le dossier. Et bien malheureusement, malgré les éléments que l'avocate d'Omar Radad a pu récolter, il semblerait que la famille de Ghislaine Marchal ait refusé également de procéder à la réouverture et à une demande auprès du procureur. Nous allons ensuite, après avoir fait ce tirage, approfondir avec d'autres cartes, mais j'avais à cœur de solliciter ici ce tirage-là afin d'y voir plus clair sur le message que Ghislaine pourrait vouloir nous faire passer depuis l'autre monde. Je souhaite toujours toutes mes forces à sa famille, à ses amis, aux personnes qui l'ont connue et aimée. Avec beaucoup de respect, je vous présente mes condoléances. Et je vous prie de bien vouloir prendre le recul nécessaire et de ne pas être heurté par ce type de tirage qui n'a pour but que d'apporter une certaine lumière sur des incohérences et des incompréhensions. On nous apprend donc ici, au niveau des peurs, que Ghislaine, donc, alors nous explique, je prends le livret, elle nous explique qu'elle n'était pas consciente d'avoir autant de peur dans son incarnation. Elle nous explique qu'elle est restée figée face à ses peurs bien trop longtemps et qu'elle a loupé des opportunités qu'elle aurait dû saisir et qui l'auraient certainement conduit à une vie bien différente. Alors elle nous dit aussi que la personne à qui elle souhaiterait s'adresser est une personne qui n'a pas forcément confiance et conscience en ses capacités, et pourtant qu'elle devrait. Elle nous dit qu'elle offre des signes et qu'elle a essayé de communiquer par rapport à ces événements qui se sont produits, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on nous parle d'énergies qui se sont bloquées autour d'elle et de personnes qu'elle a rencontrées 2 ans avant son décès. Si ça peut apporter un certain soutien, en tout cas, autour d'elle, il y a des personnes qu'elle avait rencontrées relativement récemment qui peuvent en savoir plus et qui se taisent. D'ailleurs, on nous parle après de respect et ici, on se rend compte que l'entité avait un peu de difficulté avec ce mot. Elle s'est rendue compte qu'elle portait sur ses épaules un karma qui était familial et qui était dû à des générations précédentes. Donc elle nous dit qu'elle gardait en moi et qu'elle acceptait des situations et des relations qui ne lui convenaient pas. Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait elle-même répéter des schémas
et qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle considérait comme normales et qui en réalité aujourd'hui pour elle apparaissent comme des erreurs. Maintenant, elle se sent quand même libérée visiblement et plus heureuse. Elle nous fait part ici de quelque chose aussi qui songe à alerter et elle nous dit que nous avons à apprendre de cette affaire si quelqu'un veut bien s'y intéresser. Nous avons ensuite la carte de l'apprentissage qui confirme que nous pourrions apprendre quelque chose, comme son nom l'indique. Et donc cette carte ici nous dit que la vie passée de Ghislaine Marchal lui a appris énormément de choses. Elle a eu une vie riche, intérieurement comme extérieurement, et elle a vécu et vu beaucoup de choses. Elle pouvait visiblement être parfois autoritaire et assez négative dans ce qu'elle avait l'impression de vivre. C'est quelqu'un qui parfois pouvait peut-être avoir tendance à se montrer un petit peu dur, mais qui appréciait la vie et qui se montrait par contre relativement épicurienne dans son quotidien. Donc en visiblement de ce que je peux en ressentir, ayant un train de vie qui lui permettait de choisir des choses qui pouvaient agrémenter son quotidien de manière positive. Elle nous dit, je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre, mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'agissait d'une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Donc là, elle nous parle également d'un chiffre. Et elle nous parle du chiffre 13. Donc le chiffre 13 peut avoir beaucoup de symbolique, comme on le sait. Ça peut être chiffre porte-bonheur, porte-malheur. On peut nous parler d'un département, on peut nous parler d'un nombre de jours, on peut nous parler d'une date. Donc le chiffre 13 sera à garder en mémoire si jamais nous le revoyons lors des autres tirages que je m'apprête à faire. Je complète ce tirage de la voix des âmes avec un tirage qui va être moins explicite peut-être au niveau des cartes, mais qui nous donne toujours beaucoup d'indications. Et je veux bien parler du tarot égyptien Grand Etela. Donc ce tarot qui me permet en général d'obtenir des circonstances par rapport aux faits. Donc ce que je vais demander aujourd'hui, c'est quel était l'objectif dans cet assassinat? Pourquoi Ghislaine a-t-elle perdu la vie de cette façon? Et quel était l'objectif des criminels? Puisque nous ne savons pas finalement le motif du crime. C'est, semble-t-il, un crime crapuleux, mais dont personne n'aurait pu visiblement être identifié comme bénéficiaire réel, puisque les héritiers, visiblement, étaient des héritiers naturels, ses enfants, qui n'ont pas du tout été, je crois, soupçonnés dans l'affaire, que la personne incarcérée n'avait rien à y gagner, puisqu'il n'était pas du tout mentionné dans le testament. C'est très étonnant, c'est toujours très étonnant des affaires comme celle-ci. Donc ici, on nous parle de vérité, ce qui est plutôt bon signe. Mais dans le cas où nous apprenons, enfin où nous demandons pourquoi ces faits ont pu avoir lieu, on peut nous parler de vérité que Ghislaine aurait pu vouloir révéler autour d'elle. Ici, le chiffre 6 est mentionné en haut de la carte et je rappelle que ce chiffre est souvent relié au satanisme et des symboles diaboliques. Au niveau du graphisme ici, cette carte en fait c'est le soleil et du coup on est vraiment sur une carte qui est mystérieuse. On voit que cette carte est arrivée à l'envers et on nous dit que en fait il y a eu une illumination qui a été faite par rapport à un sujet. Donc quelqu'un a fait la lumière sur un certain sujet. Mais quel sujet? Est-ce qu'on nous parle d'un héritage qui aurait pu être rédigé, par exemple? Alors, on nous parle des entreprises. Des entreprises ici, représentées par le 3 de bâton. Nous avons comme habitude de pouvoir traiter les cartes indépendamment, mais également en association. Et ce qui peut être intéressant, c'est de compléter la carte première avec la deuxième,
En ce cas précis, on nous apprendrait donc que nous avons pu faire la lumière, obtenir des vérités par rapport à quelque chose qui a demandé un effort, par rapport à quelque chose qui a demandé un gros esprit d'initiative, peut-être un gros investissement. Très bien, donc on aurait tendance peut-être à nous parler de business ici. La tempérance. Donc la tempérance ici, voilà, je pense que vous devez voir normalement. La tempérance, on voit une personne qui verse un liquide dans une jarre, qui a l'air concentrée, qui est un personnage ailé, donc plutôt angélique, et qui représente en réalité un certain conseil et malheureusement l'ange de l'apocalypse dans cette représentation. Alors on nous dit ici que Ghislaine a fait preuve de dévouement, d'abnégation, qu'elle a été dans un comportement généreux et attentionné qui a plu à ces personnes. Alors, on peut avoir un caractère un peu dur, mais se montrer tout à fait généreuse et attentionnée. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, c'est souvent les personnes ainsi qui arrivent à être généreuses et fermes, qui ne se font pas rouler, qui ont une notion de ce qui est important à conserver, ou arriver à dissocier les liens financiers des liens amicaux, par exemple. Alors, juste... L'inconduite. Alors avec l'inconduite ici, qui vient compléter la tempérance, on nous parle d'une personne qui aurait quand même un tempérament assez marqué. Une personne qui a subi des choses compliquées dans sa vie, notamment au niveau sentimental. Donc on nous parle ici d'une personne qui serait potentiellement marqué et solitaire. Un veuf, une veuve, quelqu'un qui aurait divorcé dans des circonstances douloureuses pour lui, qui aurait subi des trahisons dans son couple. La médiocrité. La médiocrité ici donc complète la carte précédente et arrive avec une recherche d'humiliation. On a voulu humilier cette dame. On a voulu la réduire à sa valeur financière. On a voulu anéantir ce qu'elle représentait en tant que personnalité. Je ressens énormément de colère au cours de ce tirage. Je sens vraiment une insatisfaction. Alors, ça ne m'appartient pas du tout. Et là, pour le coup, ça m'incite à aller plus loin avec ce jeu-là. Donc, nous avons la réalisation. J'entends 3, donc je vais en prendre 3. L'arrivée. Et l'ambition. Clairement. Donc, les personnes qui ont agi contre elle sont des personnes de petite envergure, des personnes qui sont des gagne-petits. Des personnes, je dis des parce que pour moi, ils étaient plusieurs. En tout cas, le plan a été vraiment établi pour moi par plusieurs personnes. Et on nous parle ici de réalisation dans le sens où on nous parle d'un projet qui, à la base, n'était pas réalisable. Mais on nous dit qu'avec la médiocrité et avec tout ce qui entourait Ghislaine, malheureusement, c'est bien arrivé. On nous le confirme avec cette carte. Ils sont arrivés à leur objectif. La carte de l'arrivée, c'est vraiment la carte. Donc, on voit ici quelqu'un qui est sur sa monture. On ouvre l'accès et les honneurs. Donc, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Ils sont arrivés à leur objectif envers et contre tout. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'ambition les a portés. Et cette ambition peut tout à fait mortifère. Les apporter et pourrait être lié vraiment à un aspect pécunier. Donc on nous parle aussi ici de personnes qui sont vraiment nuisibles et que Ghislaine était très mal entourée. Donc on est vraiment sur les proches. Ici on nous parle de proches. Je vais recouvrir ces cartes-là, je vais en prendre exactement le même nombre.
Mais je vais les lire peut-être dans un premier temps, indépendamment du premier tirage. Car je pense qu'on va apprendre de nouvelles informations avec ces cartes supplémentaires. Donc je pose la question sur les personnes qui ont commis ce crime et leur relation avec Ghislaine, pardon, Marshall. Les rentrées d'argent. Bon, bah écoutez, oui, effectivement, on sait que cette personne était aisée. Et on nous parle avec les rentrées d'argent qui peuvent générer de la jalousie et du profit. Ici, ce qu'on nous dit aussi, que c'était une personne qui avait de l'opulence, qui était dans une vie paisible et plutôt heureuse, de manière relativement durable. Elle vivait visiblement des jours heureux depuis longtemps et pouvait être tout à fait jalousée par rapport à ça. Si on considère la carte précédente qui vient recouvrir, en réalité, on peut nous parler d'une jalousie liée à de l'argent qui aurait été gagné d'une manière différente de ce qui a été déclaré. On nous dit qu'une personne savait des vérités par rapport à des gains d'argent. La carte des entreprises ici est recouverte par le pouvoir. Pouvoir qui est une carte renversée. Donc les entreprises, comme nous le disions, c'était vraiment le fait d'aller de l'avant, d'être quelqu'un de plutôt dynamique. Et nous avons ici ce complément d'information qui, avec son arrivée à l'envers, nous dit qu'il ne fallait pas être trop sûr de soi et qu'il ne fallait pas qu'elle abuse du pouvoir qui pouvait lui être conféré. C'est quelqu'un qui était powerful, j'allais dire. Non, enfin, c'était quelqu'un qui était relativement puissant et à qui on aurait indiqué de rester le plus humble possible et de faire les efforts qui pouvaient lui être demandés et qui pour elle ne passaient pas. On lui a demandé quelque chose qu'elle a visiblement refusé et qui pourtant n'aurait pas été pour elle un sacrifice. Donc c'est vraiment autour du motif là qu'on vient nous donner des précisions. De nouveau, comme sur le premier jeu, et maintenant je vais me concentrer pour savoir concernant ses protagonistes, parce que si on considère que Omar Radad a été condamné à tort et a purgé une peine de prison plus ou moins justement, il est nécessaire aujourd'hui pour rendre justice à Madame Marshall de savoir qui a été exempté de sa peine de prison alors qu'il était coupable. Ici, nous avons la carte de la réception, qui est une carte avec une belle coupe tenue dans une main. Excusez-moi, il a fallu que j'ouvre à mon chat. Donc cette carte, comme je le disais, qui représente une coupe tenue à la main et qui indique potentiellement des festivités, des rencontres, une situation agréable, un moment de détente, quelque chose de convivial. Et qui va pouvoir amener une bonne soirée, par exemple. On est une bonne maîtresse de maison ici. Donc, on nous confirme de la jalousie et on nous confirme vraiment que c'est quelqu'un de proche qui la fréquentait au sein de son foyer. C'est quelqu'un qui la connaissait et qui la jalousait paradoxalement en même temps qu'elle l'admirait. Déjà, je pense qu'on nous éloigne beaucoup du profil d'Omar Radad. Ici, on nous parle d'indécision qui vient sur l'inconduite. On peut nous donner plusieurs possibilités d'interprétation. On peut nous parler ici d'une personne qui aurait pris son temps avant d'agir parce que consciente des conséquences possibles et de la prise de risque de commettre un crime dans cette villa de la Chamade. On nous parle aussi peut-être d'une personne qui manquait de confiance en elle et qui, par son tempérament méfiant et peut-être un peu malade psychologiquement, aurait pu avoir une conduite très, très néfaste. En tout cas, avec la carte de l'indécision, on nous parle de pourparlers, de projets, de choses qui sont arrivées de manière plutôt intempestive et qui ont été visiblement refusées par la personne. Donc refusé par Ghislaine Marshall. Sur la médiocrité, j'ai la carte de l'avarice qui arrive. Alors oui, le crime ici est un crime, si c'est un crime lié à l'argent, à l'aspect pécunier. C'est un crime médiocre, puisque tuer une femme de 65 ans pour sa fortune, effectivement, on ne pourrait pas utiliser nous-mêmes de meilleur vocabulaire.
Et ici, ce qu'on nous dit, donc avec la médiocrité, c'était vraiment quelqu'un qui cherchait à humilier la famille de Ghislaine ou Ghislaine elle-même. Et on nous parle encore une fois de ce phénomène, puisqu'on nous dit ici, avec... Je vais fermer la fenêtre qui s'est rouverte parce qu'il y a de la circulation. Excusez-moi pour ces contretemps et ces bruits désagréables. Et voilà, c'est fini. Donc, je vous disais, l'avarice, ici, on nous dit qu'il faut faire attention. On nous parle d'une relation avec une femme, d'une jeune femme, alors plus jeune que Ghislaine Marchal en tout cas. Je ne pourrais pas vous donner un âge précis, mais plus jeune que la personne qui est concernée par le tirage, donc Ghislaine. On nous parle d'une personne qui parlerait beaucoup, qui serait plutôt en général désignée comme quelqu'un de radin. Ou de... Alors si c'est paradin, ce serait quelqu'un qui serait très intéressé. En tout cas, on nous parle de cette femme qui serait plutôt brune et qui aurait un rapport à l'argent. Alors ouais, quelqu'un de dépensier, quelqu'un qui a un rapport avec l'argent dans la quantité. Donc on nous donne une indication là aussi sur une femme, non pas le jardinier. En aucun cas, pour l'instant, il n'y a rien qui peut nous rappeler de près ou de loin la présence d'Omar Haddad le jour des faits ici. Sur la carte de la réalisation, pardon, j'ai la carte du logis. La carte du logis, donc le foyer, ici. Donc, nous avons normalement une bonne interprétation puisque la maison, c'est quelque chose plein de quiétude. Mais nous avons aussi le lieu où a été assassinée Ghislaine Marchal, qui ressort. Elle a effectivement été tuée chez elle. Et on nous parle ici d'un... Alors cette carte, en fait, c'est vraiment l'endroit où on vit, mais c'est aussi celle des jeux de hasard et des jeux de casino. Alors, c'est un peu étonnant, parce que du coup, je crois, maintenant que j'y pense... Il me semble avoir entendu parler du phénomène du casino et d'une addiction au jeu concernant Omar Haddad. Alors, je ne sais pas si ça a été démontré comme vrai ou non, ou si c'était juste un joueur occasionnel. Mais dans cette histoire, j'ai entendu parler d'une notion de casino, effectivement. Et là, on nous en reparle. Donc, si je regarde la carte qui était arrivée précédemment avec le 9 de sequin, donc la réalisation, ici, on nous disait que le projet n'était pas réalisable et que de l'argent aurait été perdu au casino. À voir. On nous parle d'une femme brune au préalable, donc même si ça pouvait relier Omar Haddad à cette soirée-là, il n'est pas seul dans le... C'est pas la seule personne qui aurait pu malheureusement intervenir, si c'était le cas. Sur la carte de l'arrivée, j'ai la carte ici de l'excès qui me vient spontanément. Elle s'est retournée toute seule. Alors effectivement, les excès peuvent entraîner des besoins et ces besoins peuvent passer par une envie de voler. On connaît parfois des crimes où les personnes ont simplement besoin d'acheter leur dose de drogue et n'ayant plus d'argent sont capables de commettre des choses affreuses. Donc oui, les excès sont quelque chose qui peuvent mener à cet assassinat. Ici, on nous parle d'une exagération, mais ça peut être en bien comme en mal. La carte représente aussi une personne capable de se... protégé, qui est armé et qui saura faire fi de ce qui peut lui arriver et qui continuera d'avancer quoi qu'il arrive. Avec cette carte qui représente l'as d'épée, on est sur quelqu'un qui nous montre un tempérament fort. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi avoir été jugé comme problématique dans le tempérament de Madame Marchal. Et l'ambition est arrivée avec le désir. Alors le désir, ici, il n'y a rien de spécial sur la carte. Le désir ici, c'est plutôt normalement lié au sentiment. C'est une carte qui est plutôt reliée au désir charnel, au désir amoureux, au désir de l'âme et du coup du cœur. Et en fait, on nous parle d'une personne ici qui n'est pas comblée sentimentalement, qui n'est pas heureuse et qui se montrait plutôt esseulée. Et visiblement, comme ça recouvre la carte de l'ambition, la personne qui serait
à l'initiative de ce décès pourrait être une personne qui a joué sur la solitude de Ghislaine Marchal pour masquer ses véritables intentions. Ici, donc, le tirage nous fait poser une nouvelle question, puisqu'il ouvre le jeu sur potentiellement une carte liée au casino et au jeu d'argent. C'est intéressant. On peut aussi imaginer que la femme dont nous avons parlé est une personne qui aurait pu être surendettée elle-même de par des dettes de casino. Je vais utiliser un quatrième jeu afin d'avoir des précisions sur la relation de Omar avec son employeur Ghislaine. J'aimerais qu'on puisse nous prouver par les cartes si c'était une bonne relation employeur-employé, s'il y avait des choses cachées, peut-être des rancœurs. On ne sait pas, peut-être que c'est vrai que j'ai entendu parler d'une demande d'avance sur salaire qui avait été refusée. Je ne suis pas du tout convaincue que ça soit avéré. Et compte tenu du montant, c'était pas très crédible de tuer quelqu'un pour si peu d'argent. Ouais, donc pour moi, on est vraiment dans la situation d'un jeu de rôle. Hein. On nous montre des statues, des personnes qui seraient sur des échasses, une personne brisée. On nous montre que la situation est fausse. Fausse, quelqu'un qui fuit son ombre, on ne peut pas fuir son ombre, ça n'existe pas. Il va falloir être confronté à la réalité un jour ou l'autre. Une personne qui vit dans les regrets certainement et surtout avec une image d'incendie dramatique, de flamme, et ça nous fait vraiment penser à quelqu'un de très mauvais. Très mauvais, le rapport au diable et à l'enfer. Avec la solitude, l'isolement, la peine et la tristesse d'un homme qui se retrouve en position fœtale, mis à nu, comme un petit garçon, comme un enfant. Donc potentiellement, on nous parlerait d'un adulte qui a vraiment du mal à grandir, d'une personne qui, depuis, est vraiment recroquevillée sur elle-même et qui n'a pas forcément obtenu ce qu'il avait escompté en faisant cet acte. Je garde ces deux cartes. Très jolie cette carte, je ne la connaissais pas. On nous montre un beau coucher de soleil, quelque chose qui ressemble à un pin parasol, comme dans le sud d'où est originaire Ghislaine. Et du coup, on peut nous parler ici d'une situation qui était paisible, d'une soirée qui s'annonçait calme et qui malheureusement a terminé. Alors, pas une soirée qui a terminé, plutôt une journée. Je crois qu'elle est morte en journée. On voit un corps allongé, une personne ici qui est penchée sur ce cadavre. Oui, donc on peut voir ici quelqu'un qui est couché sur le cadavre. Et du coup, on peut nous signifier ici que la personne qui a mis fin au jour de Madame Marchal a quand même pris le temps de regretter en voyant son corps mort. On peut nous parler d'une personne, je suis désolée. On peut nous parler d'une personne qui serait vraiment dans le regret d'une situation qu'il aurait commise. Mais c'est trop tard, le mal est fait. On nous montre d'ailleurs le mur. Puisqu'elle ne vient plus d'elle-même. Qui a fait du mal à Madame Marchal. Ici, on nous montre des personnes qui portent des seaux sur leur dos. Donc, on peut parler de personnes qui auraient pu avoir des responsabilités, des personnes qui ont des charges, soit mentales, soit physiques. On nous montre deux femmes de nouveau et une femme brune. On nous parle ici d'une personne oratrice qui est en lien avec du monde. On nous parle d'une réunion. On voit des gens qui échangent. Donc, un plan qui aurait pu être élaboré par rapport à ce jour-là. Donc, ce jour-ci, on a pu voir effectivement donc, la carte que je viens de tirer qui indique ici l'enfant avec la main
pleine de peinture et vous y verrez certainement, comme moi, la symbolique des traces de sang qui ont servi pour écrire Omar m'a tué sur le mur. Là, on peut vraiment comparer on peut vraiment comparer donc une personne jeune qui a fait ces traces-là. Je l'avais jamais tirée cette carte, vous voyez. J'ai que des cartes nouvelles. Ici, c'est une représentation d'un cheval de guerre. Ça ressemble à une peinture de Picasso qui s'appelle Guernica, qui représente, je crois, si je dis pas de bêtises, la guerre en Espagne. Et donc, on peut voir une scène de douleur avec un cheval qui crie en ayant en plus le regard tourné vers le passé. Donc, je pense malheureusement qu'en plus, Madame Marshall a souffert. Elle a demandé de l'aide. Et ouais, donc pour moi, elle a demandé de l'aide, mais c'est pas arrivé à temps. On aurait pu faire quelque chose peut-être si elle avait été retrouvée plus tôt. Mais ça n'a pas été le cas. On nous montre une femme assise seule dans le noir avec son ombre derrière elle, donc sur un lit, exactement la configuration de la pièce dans laquelle elle était, puisqu'il n'y avait qu'un lit de camp dans cette pièce-là. Et c'est vrai qu'on peut imaginer aussi que si elle n'est pas décédée de suite, elle a pu avoir très peur de se retrouver seule à ce moment-là. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a affronté des épreuves, quelqu'un qui, en faisant ce crime-là, s'est testé, en fait, a voulu se confronter à lui-même, voir si il y a eu une sorte de défi pour cette personne. Et on nous montre la relation parent-enfant. Je ne connais pas la vie de Ghislaine Marshall précisément dans sa vie de couple et si vous le savez, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je ressens ici, et je vais prendre une autre carte. Ouais. Il y a un problème, il y a quelque chose de l'ordre familial hein, autour d'elle. Là, on voit un grillage, vraiment un grillage avec des barbelés, un enfant qui pleure derrière et vous voyez. Je suis obligée de penser à la bande de Gaza et je suis obligée de penser à la Palestine ici, compte tenu du paysage désertique et des constructions et de ce grillage. On peut aussi nous montrer un enfant israélien, pourquoi pas, qui serait attristé par cette situation. En tout cas, on nous montre ici que cette personne-là, les personnes qui ont agi, sont des personnes qui profondément se sont isolées de la réalité des choses et de leur bonheur. Elles ont amassé beaucoup de choses. Elles ont été patientes. Elles ont été patientes. Elles ont poursuivi Madame Marshall, en fait. Hein. On voit bien la personne qui détient une arme dans son dos. C'est quelqu'un qui a été rusé et qui s'est caché derrière les apparences. On nous montre encore des enfants avec un adulte. Je vous laisse faire vos propres déductions, mais comme vous l'aurez compris, à mon avis, nous pourrions imaginer, si une enquête était rouverte à ce sujet, que les informations qui pourraient en découler seraient très surprenantes. Alors, bien entendu, ce n'est qu'un divertissement, comme je le dis toujours, je n'accable personne, mais se contenter du minimum et refuser d'étudier des pistes sérieuses et des preuves qui n'ont pas été étudiées jusqu'au bout. C'est se passer aussi de la vérité pour la mémoire de Madame Marshall, qui est décédée, je le rappelle, d'une manière très très brutale, alors qu'il lui restait certainement de nombreuses années à vivre et que cette personne avait absolument tout pour être bien dans son quotidien. Donc, si quelqu'un a des informations à ce sujet et qu'il a refusé de témoigner, bien que beaucoup d'émissions aient traité, alors surtout d'Omar Radad, peu de Madame Marshall. On s'est vraiment concentré sur Omar dans cette affaire, en oubliant totalement la victime. Et je trouve ça très dommage. C'est pour ça que mon intitulé de vidéo fait bien mention de Ghislaine Marshall, parce que c'est ma façon à moi aujourd'hui de lui rendre hommage et d'inviter les gens à se rappeler de sa mémoire et à continuer d'écouter des podcasts, regarder des informations qui pourraient concerner cette affaire. Ça peut être intéressant, on a tous notre petite goutte à apporter comme le colibri. Et surtout, n'oublions pas que la personne qui a été accusée et qui a été incarcérée pendant toutes ces années, aujourd'hui est une personne qui a l'air d'avoir envie de connaître la vérité
Et la moindre des choses, vu qu'il a passé énormément d'années en prison, serait peut-être pour l'innocenter réellement de tenter de savoir qui est le véritable coupable. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que cette affaire vous aura intéressé autant qu'elle a été intéressante pour moi à traiter. J'espère aussi que vous aurez des idées à me partager sur des crimes qui vous intéresseraient plus si ce tirage n'a pas été à votre goût. Je suis très impatiente de vous lire, comme toujours. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.